Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur ce mode-là dans les convoyeurs qui est sorti aujourd'hui. Alors, c'est le Grim SL8022 Contour Motoload. Vous avez les deux choix possibles que vous pouvez rassembler. Moi, j'ai pris que celui-ci. Ensuite, vous avez la version Logo ou Logo 2 en normal. Et là, vous avez la version SL8022 Quantum X 40 km/h. Donc, quand vous chargez, il chargera plus vite que 5 km/h. Après, vous avez toutes les couleurs possibles pour le châssis et les roues. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai préparé un tas d'ensilage, un tracteur, une remorque. Vous montez dedans. Vous activez la bande transporteuse. Et il charge assez loin. Après, le seul petit défaut, c'est qu'il faut rester dedans, ou si vous désactivez le démarrage automatique du moteur, enlever quoi, et pas qu'il y ait de trop de véhicules qui tournent, par exemple si vous engagez des ouvriers, et, parce que sinon ça va couper le moteur et ça ne chargera pas. Et là, pareil. Quand vous voulez le déplacer, vous êtes à 43 km/h au lieu de 5. Et là, pareil, si vous le mettez sous la station d'achat, normalement ça marche aussi. Là, je fais exprès de vider la remorque. Et là, pareil, vous approchez tout près. Vous faites commencer le remplissage. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Selon votre remorque. Des fois, il faut le faire plusieurs fois parce que sinon ça il s'arrête au bout d'un moment et là vous chargez votre remorque beaucoup plus rapidement que 5 km/h. Un très bon petit mode à vrai dire qui est super pratique pour tout ce qui est chargé en vrac qui est au sol et ultra rapidement. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message ou un commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!